J'espère que vous allez bien. Donc, on arrive de faire des commissions. Ben, des commissions. En fait, on est allé dîner. Ok, Zada, c'est pas bien, je vais fermer la porte. Que Max il joue à son jeu, puis il parle fort. Hop là. Bref. C'est ça. Moi et Max, on est allé manger au Quesada pour dîner. Puis, c'est nouveau, là, dans mon coin. Il est rendu avec un Bug Barn. C'est ça. Bug Barn. Puis, on est allé faire des petits achats. Fait que j'avais l'envie de vous les présenter. Par contre, cette fois-ci, on a des sacs en plastique parce que je ne savais pas qu'on pouvait prendre des plats pour mettre nos achats dedans. Donc, la prochaine fois, c'est sûr que je vais l'utiliser. C'est sûr que la prochaine fois, je vais apporter des plats. Donc, là, je l'ai mis sur la fenêtre. Là, c'est plus simple. Donc, premièrement, on a acheté... Ouais, vous voyez mieux. Donc, on a acheté des petites roches en chocolat, comme ça. Ensuite, on a acheté ça ici. Excusez, je vérifie s'il n'y a pas la malle. Post Canada. Donc, c'est une grosse boule comme ça. Après ça, je vais les mettre à côté les autres. Ensuite, on a pris des petits yeux comme ça. D'Halloween. Ouais, ça c'est quoi? Tête de licorne, je pense. Ouais. Bon, on voit bien ici. Dans le fond, des têtes de licorne de plein de couleurs. Ensuite, j'ai pris ces trop bons bonbons-là. Je pense que c'est des billes argent au coke. Ensuite, ça c'est pour Max. Donc, c'est des pois chiches barbecue. Après ça, j'ai pris. Ça c'est pour Max aussi. C'est des amandes, je crois. Dans le chocolat au café. Ensuite, j'ai pris des amandes Pumpkin Spice. Donc, épices d'automne. Ensuite, on a pris un sac de pâtes. Comme ça. Et on a pris deux coques. Un chacun. Ensuite, j'ai pris deux pains réutilisables comme ça. Donc, elles sont en acier inoxydable. Puis, ils étaient 99 sous chaque. Et c'est quand même cool. Ensuite, Max a pris des réglisses. Ah, ça nous intriguait. Genre des bretzels, mais genre tout garni avec des bonbons. Ça avait un nom spécial en plus. Ça me tentait de faire ça. Ça ici, hein, ça l'a coûté 4$ pour deux serpents. Et c'est tellement lourd, là, j'avais pas pesé. Je pourrais l'ouvrir pour montrer. Ce sera pas bien long. Donc, en fond, c'est vraiment très très long. Là. Genre, tout ça. Que c'est ça. Donc, je vais le remettre là-dedans. Hop là. J'ai hâte de voir si la poste. J'ai un colis parce que là, j'attends encore de
ou trois colis du concours. Donc voilà. Et le dernier truc qu'on a pris, c'est des mini M&M au Reese. Comme ça, ça a l'air ça. Et que voilà. Donc on a acheté. On a acheté tout ça. Ah, puis j'ai acheté aussi un sac. Hop là. J'ai acheté un sac réutilisable comme ça. Bonne bonne. Fait que c'est ça. Donc voilà. Donc moi je vais aller attendre ma malle. Puis je vous tiens au courant en espérant que ça arrive. Puis aussi, j'ai une miniature à finir. Parce que ça fait peut-être une semaine que j'ai pas travaillé dans mes trucs là. Ça fait une semaine que Max est arrivé. Et ben, il repart vendredi. Là, on est lundi. Fait que c'est ça. En fait, moi, j'ai pas travaillé de la semaine. Mais il faut que je m'en vais dans le beat. Parce que Max repart. Ben, il faudrait que je me recommence à mettre dans le beat des vidéos. Parce que là, après ça, je vais avoir la vidéo de du concours à vous montrer. Mais là, j'ai fait un... j'ai reçu des colis cette semaine. Je pense que c'est ça. J'ai reçu des colis cette semaine. J'ai vraiment le goût de vous les montrer. Donc, si on peut faire ça vite. Donc, premièrement, je me suis commandé des fondues. Donc, dans le fond, j'en ai un comme ça. Banane. Ensuite, j'en ai un qui est armé. Je retourne à la fenêtre pour vous montrer mes trucs. Ok, donc c'est ça. J'en ai un banane. Comme ça, il est vraiment beau. Après ça, j'en ai un style armé. Comme ça. Ensuite, le dernier que j'ai, c'est comme ça. C'est des petites pattes de chien avec des os. Puis il est écrit Dog Lover. Donc, c'est ça. Je vais se commander 3 fonds de loose. Mais j'attends ma pochette de sel que je me suis commandée sur AliExpress. Donc, je vais vous la montrer quand ça va arriver. Ensuite, je me suis commandé d'autres choses. Donc, c'est ça. Donc, ça vient dans ça. Olsen Olsen. Puis, c'est des sacs. Non. Des poils. Les 10 ans sont beaucoup trop bien. Comme ça. En fond, ça, c'est les miennes. Les vôtres sont ici. Parce que dans le fond, c'est un des prix que je fais tirer. Puis dans le fond, quand que j'ai ouvert le colis, je me suis rendu compte qu'il avait mis les 4 poils dans la seule pochette. Dans une pochette. Mais en fait, ce que j'avais commandé, c'était 2 pochettes, 2 brosses. Puis 2 kits de 2 poils, dans le fond. Fait que c'est ça. Parce que là, sinon, moi, j'ai pas de sac que pour les transporter ou autre. Bref, puis j'ai pas de brosse pour les nettoyer. Donc, ça. Fait que là, j'ai écrit à la compagnie. Puis, ils ont été super gentils. Puis, ils m'ont renvoyé un kit de une brosse et un petit sac. Fait que c'est cool. Donc, voilà. Donc, moi, je fais quand même 8 minutes que je parle. Fait que moi, je vais aller chiller avec mon amoureux. Puis, on se reparle plus tard. Bye! Allô, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai reçu un colis que mon amoureux avait commandé sur AliExpress. C'est ça ici. Hop! Qu'est-ce qu'on voit? Il est écrit... Food lover, genre amoureux de la nourriture, genre, style.
Fait qu'il est super beau, super long. Je pourrais l'essayer pour vous montrer. Puis c'est un X-Lange. Donc j'essaie ça et je vous montre. Donc, hop là. Donc mon chandail, ça a l'air à ça. Il est quand même très très grand. Là. Très très grand. Il arrive peut-être jusque là. Fait que c'est quand même grand. Fait que voilà, il est super beau. Je suis vraiment contente. Fait que je suis une fou de l'enveur. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc présentement, je suis à Québec. Ouais, dans le fond, ça fait 2 jours qu'on est à Québec. On est arrivé mercredi soir. Mardi soir. Ouais. Puis on est allé chez des amis dormir et tout ça. C'était bien nice. Je bois ma petite gourou. Il est 10h05. Puis on est dans un dépanneur parce qu'on vient. On est à Québec, mais sur l'île d'Orléans. Parce que là, on est au dépanneur parce qu'on est allé chercher de l'argent. Parce qu'on avait juste de l'argent sur les cartes. Puis, on est juste content. Et c'est beau. Puis là, on s'en va aux pommes. Donc, je vous amène avec nous. Hello, j'espère que vous allez bien. Amoureux. On est aux galeries de la capitale. Il est 7h06. Là, on se prépare à s'en aller à la maison. Puis là, je vais faire un petit haul de qu'est-ce que j'ai acheté tantôt. Hein. Donc voilà, donc on se prépare là, rendu à la maison. Désolée pour l'éclairage, il est présentement genre 10h, moins 20. J'arrive du Québec, j'avais passé 2 jours là chez des amis à mon amoureux. Ben, chez des amis à nous. Ouais. Puis là, j'ai fait tout. Plein d'achats chez Bath & Body Work, chez Lush et chez Amnesia. Et chez Classic. Bon. Bref, donc allons-y. Donc je crois que je vais commencer avec chez Lush. Donc, premièrement, j'ai pris un produit nu qui appelle. Je sais pas si. Attendez. Ça s'appelle rouleau de jade baume net. Donc dans le fond, c'est un truc. Pour le visage, qu'on m'a dit. C'est comme ça, là. C'est vert. Essayez de vous mettre des photos, là, des coins, tout ça. Essayez d'entendre sacrément. Donc, ouais. Donc, c'est ça pour celui-là. Ensuite, j'ai acheté le masque qui s'appelle Miel effronté. Comme ça ici. Masque frais pour le visage. Ça, il va falloir que j'aille le mettre au frigo parce que je viens de faire 2 heures de route. Fait que. Oh. Il est jaune, il est beaucoup moins jaune à la caméra. Mais je vais le remontrer peut-être. Là. Je mettrai des photos d'un coin. Ensuite, on a reçu chacun un échantillon. Ça s'appelle Coco Salé. Moi, c'est Coco. Ok, les deux, c'est ça. Les deux, c'est Coco Salé. Puis c'est un exfoliant pour les mains. Je sais pas que ça sonne. Oh. Oh my god, mon amour, l'échantillon, ça sent tellement bon. L'échantillon Lush qu'on a eu, ça sent tellement bon. Fait que voilà pour ça. Et mon amoureux a décidé qu'il testait. Les comprimés. Ah, ça pue. Les comprimés dentaires au charbon. Donc, ça s'appelle le Boom. Donc, comme ça. J'ai essayé de vous mettre des photos encore. J'ai de la misère avec ça. Ensuite, j'ai été chez Bath & Body.
Donc, il y a des trucs à moi et mon amoureux. Comme étant, genre, mon amoureux, c'est lui qui a payé ça, là, mais son truc à lui, mais je veux le montrer. Donc, moi, j'ai pris le black, j'ai pris une chandelle à une mèche. Chez Bath & Body. Et j'ai pris le Black Cherry Merlot. Fait à partir d'huile essentielle. Donc, comme ça. Ça sent tellement bon. Il sent tellement... genre, l'odeur, elle sent vraiment beaucoup chez Bath & Body. C'est quand même cool. Donc, c'était la première fois que je prenais des chandelles là-bas. Mais j'avais acheté une seule fois des affaires. Puis, c'était des trucs. Des genres de pastilles comme ça. Que tu mets dans un... diffusage genre dans l'auto. Puis que, bref. Donc, c'était 3 produits pour 36$. Donc, moi j'ai pris une collection. Mon amoureux a pris une collection complète. Donc, moi j'ai pris la collection Warm Vanilla Sugar. Donc, j'ai pris le gel moussant. C'est tellement bon. Donc, Warm Vanilla Sugar. Ensuite, j'ai pris le Warm, excusez-moi pour mon anglais, là, Warm Vanilla Sugar, je vais écrire là. J'ai pris la brune chatoyante diamant, donc dans le fond c'est genre une brune mais avec des brillants. Okay. Encore une fois, celle-là elle sent vraiment bon là. Donc j'ai la brune et j'ai acheté aussi... le nettoyant pour le corps hydratant avec beurre de karité plus beurre de cacao de Warm Vanilla Sugar. Ben la sente l'odeur. Warm Vanilla Sugar. Puis j'aime tellement genre la texture. Ça sent genre le petit gâteau, je trouve. Donc, comme c'est ici. Donc, le Warm Vanilla Sugar. Ensuite, mon amoureux. Il s'est pris un... non, c'est quoi? Nettoyant pour le corps et les cheveux, deux en un. Ça s'appelle graphite. Je sais pas c'est quoi l'odeur. C'est peut-être ça, graphite. En tout cas, ça sent super bon. Donc, dans, il est comme ça. Il est transparent. Je vais essayer de vous mettre des liens en bas, là, si j'en trouve. Ensuite, mon amoureux, c'est aussi acheté la crème pour le corps ultra qualité. De la collection pour hommes. Donc, ça a l'air de ça. Ensuite, et dernier article chez Bath & Body, c'est le vaporisateur déodorant pour le corps. De, encore la collection pour hommes, graphite. Donc, voilà. Bon, ensuite, j'ai été chez Classic. Comme ça. Et j'ai acheté. Sont malades, sont tellement belles. On va pas, je pense. À cause de la mienne. Si je vous montre, ça vaut la peine. Donc, c'est. Oh, on voit pas. Ah, comme ça, on voit. Je les ai déjà portées, comme on peut voir. Je les ai portées aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. C'est des Jordan. Jordan. Jordan One. Air One. C'est des Mid. Puis. Attendez, il est marqué là. WMNS Air Jordan 1 Mid. Fait que je vais vous l'écrire ici. Si jamais j'ai trop sur internet, je vous les mettrai en bas. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il est marqué noir blanc fantôme. Donc, sur la boîte de Jordan. Fait que voilà. Les petites Jordan sont vraiment belles. Bon, ensuite, je suis allée chez Amnesia. J'allais chez Amnesia. C'est moi, là. Qu'est-ce que tu fais, mon amour? Je suis allée chez Amnesia. Et dans le fond, les sacs à dos, là, ils étaient en rabais. Donc, j'ai acheté ce sac comme ça. Dans le fond, c'est un New York. Puis il est rose et gris. Il est vraiment beau. Puis il a coûté 15$ au lieu de 29,99$. Ce qui était à 50%.
sac, puis j'ai mis mon truc, mon autre truc que j'ai acheté à bas dedans. Je vais prendre un sac. Donc, mon dernier achat. Je crois que oui. Hein? On a pas mal tout dit. Donc, mon dernier achat, c'est un chandail New York. Donc, il est comme ça. Hop. Avec une petite rose comme ça. Puis là, il est écrit New York sur les manches. On voit mal. Donc, de l'autre côté, c'est des. Ben, le même logo que. Voyons. Que ici, mais sans les manches. Et à l'arrière, c'est le même logo qu'à l'avant, je crois. Mais à l'arrière, plus gros. Donc, il est vraiment super beau. Puis je l'ai pris dans la taille médium, puis il est quand même fait grand, là. Fait que c'est quand même bon. Fait que c'est vraiment cool. Parce que le large était vraiment large. Vraiment très large. Normalement, mi polar, là. Comme étant celui-là, ou mon polar Basics, ben c'est des. Les polars qui sont X large. Celui-là, c'est un X large. Ouais. Ouais. Fait que c'est ça, je dis. Les polars que je porte normalement sont X large, puis tu sais, c'est pas tant. Pas tant full grand, là, genre, ça m'arrive, là. Mais bref, il était vraiment super grand, là, le X large. Même le large, il était grand. Fait que c'est ça. C'est tout ce que j'ai acheté, hein, je pense. Il y en a quand même pas mal. J'ai... Ah! Il y a une talo pomme. Fait que. On a des pommes. Fait que c'est ça. Donc, voilà. Donc, on se reparle bientôt. Bye! Allô, bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc, il est présentement 8h59. Et moi, j'ai dormi, ça faisait peut-être 5 minutes, je crois. Ouais. Ben, dans le fond, mon amoureux est venu me porter. Puis lui, ben, il s'en allait à l'aéroport. Donc, ouais, c'est ça. Donc, lui, il s'en allait à l'aéroport. Fait que moi, je m'en vais. J'ai un rendez-vous ce matin avec Madame, c'est ça? Ouais. Avec Madame André Laforêt, qui est la. C'est quoi? Maire des affaires municipales de Saguenay, je crois. Quelque chose comme ça, il est écrit là-bas, là, je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait. Moi, puis la politique, là, c'est deux choses. Bref. Donc, comme vous avez vu l'année passée, là, j'ai fait un vlog où je recevais un prix pour les claviers et tout ça. Je mettrai le lien. Dans les cartes en haut. Fait que c'est ça. Donc, l'année passée, en novembre 2018, j'ai reçu un prix levier. Puis, dans le fond, notre ministre des Affaires municipales à nous, moi et ma sœur, de notre ville, ben, malheureusement, elle pouvait pas être là. Elle avait des empêchements, ce que je comprends totalement. Puis, dans le fond, elle a un papier à nous remettre. En fait, c'est un certificat de reconnaissance ou quelque chose de même. Je vous en dirai peut-être plus après. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Puis, ben, ça faisait un petit bout, là. Ça fait presque 6 mois qu'on essaie de se prévoir une date. Mais Madame Laforêt est beaucoup occupée, là. Fait que c'est ça. Donc, aujourd'hui, elle nous reçoit, moi et ma soeur. Fait que là, je suis présentement dans le devant, là. J'attends que ma soeur et. Edith arrive, dans le fond, ça c'est la madame de AVQC. Donc c'est une intervenante. Fait que bref, donc je les attends. D'après moi, ils vont arriver bientôt. Donc voilà. Puis là, je vais montrer mon petit chandail. Genre, il est vraiment beau là. Donc il y a le petit signe New York là, avec une rose. Puis là, il écrit New York. À l'autre côté. Oh. L'autre côté, c'est des roses toute la manche. Puis, mes nouvelles chaussures, sérieux, là, je suis tellement en amour, là. Je les ai portées hier toute la journée, là, puis on disait que je porte des pantoufles. Puis, dans le fond, là, mon amour pour les Jordan, où ce que c'est sorti, c'est que mon amoureux, il y en a, lui. Puis, une fois, je les avais mis, c'était tellement confo. Puis là, genre, je faisais pas des beaux modèles pour femmes, là, puis tout ça. Que j'en avais trouvé des vraiment belles, ok? Vraiment, vraiment belles, là. Justement, je vais m'y acheter. Mais j'ai commandé sur Internet parce que c'est une édition de l'année passée. Fait que. Ce qui en sorte toutes les semaines. Bref. Fait que c'est ça. Fait que là,
J'y suis là, je pense que c'est une édition limitée. Ça s'appelle le Black Phantom. Quelque chose de genre. Fait que c'est ça. Donc, moi, je vais aller là. Puis, on va se reparler plus tard. Bon!